Le bouddhisme, non-violence vis-à-vis des êtres humains, non-violence vis-à-vis des animaux, non-violence vis-à-vis de l'environnement. J'essaie d'inspirer cet état d'esprit au travers de la photographie et de la beauté des hommes et des paysages. Au-delà de la beauté, c'est quoi? C'est d'abord pour les êtres humains la beauté intérieure, c'est la beauté de la bonté, la beauté de la compassion, la beauté de la force d'âme, la beauté d'avoir du courage même face à la tragédie. La beauté des paysages, c'est refléter l'harmonie de la nature et de ce fait de faire apprécier cette harmonie jusqu'au point où on se sent concerné par la nécessité de préserver l'environnement pour les générations à venir, pour l'intégrité de notre environnement naturel. Donc c'est un parti pris, plutôt que de montrer des images tragiques de souffrance, de dégradation, des tas d'ordures, des bidonvilles, des usines, etc., parce qu'on en voit beaucoup. Moi, je vis dans la nature, je vis auprès d'êtres de grande spiritualité. Donc je pense qu'il faut redonner cette image de la nature humaine, de ce potentiel de bonté que nous avons en nous, pour nous donner un peu d'espoir que tout n'est pas perdu, que l'homme n'est pas mauvais. Oh,